Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette machine que vous voyez à côté de moi. J'ai fait quelques publications sur Instagram avec quelques travaux que j'ai fait avec cette machine-là. Ça fait un paquet de temps que vous me demandez de faire une vidéo dessus parce que vous vous posez pas mal de questions et je m'en suis posé aussi avant de l'acheter. Je vais vous faire profiter de mon expérience sur cette machine, je vais vous expliquer euh, comment elle est constituée, comment elle fonctionne, ce qui va et ce qui ne va pas. On va regarder tout ça en détail, vous, vous ferez une opinion, je vous donnerai la mienne également. On se retrouve dans quelques secondes et on commence à détailler cette machine ensemble. Alors pour commencer, déjà, qu'est-ce que c'est que cette machine alors, vous m'avez souvent entendu parler euh, sur ma chaîne et sur mon Instagram euh, d'aérogommeuse. On ne va pas confondre du tout euh, les aérogommeuses et ce type de machine. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a affaire à une sableuse. Alors, la différence, je vous l'ai déjà expliqué dans mes vidéos sur les aérogommeuses. La différence entre une sableuse et une aérogommeuse, c'est qu'une sableuse va travailler avec des pressions nettement supérieures euh, à ce qu'on fait avec une aérogommeuse. Et on va avoir des réglages beaucoup plus fins euh, possibles sur une aérogommeuse qu'on n'aura pas sur cette machine-là. Donc, je vais parler de sableuse, je ne vais surtout pas parler d'aérogommeuse. Et il ne faudra surtout pas confondre les deux matériels. Alors, on va regarder en détail cette sableuse. Alors en partie supérieure ici, vous voyez où est enroulé le fil. Euh, le capot supérieur, je vais vous montrer un petit peu, c'est la partie aspiration qui permet de récolter l'abrasif. Sur le côté ici, on va trouver le bouton marche-arrêt, la plaque signalétique, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Euh, ici on a une poignée métallique qui nous permet de euh, promener euh, la sableuse hein, quand on a besoin de la déplacer. Et donc la sableuse elle est montée sur quatre roues. Ici on a deux roues fixes côté arrière et on a deux roues directrices à l'avant. Euh, bon, on aurait eu quatre roues directrices, ça n'aurait pas été plus mal parce que des fois c'est pas facile à balader. Euh, question montage, j'en reviens vite fait dessus puisque je l'ai monté il y a un petit moment. Il y a les roues à assembler et puis euh, la poignée qui est ici et bien sûr brancher euh, brancher les différents tuyaux il n'y a rien de compliqué pour la partie assemblage en partie basse on trouve donc la cuve donc ça c'est la cuve d'abrasif elle a une contenance d'environ 100 litres euh, bon, euh, je ne sais pas si on met 100 litres là-dedans, moi je ne les mets pas, de toute manière, puisque après il faut pouvoir la revider, et on n'a pas de solution pour la vider, je vais vous en parler également plus tard. Ici on va trouver toute la partie qui va être euh, la partie, euh, je dirais, pneumatique de la machine. Alors, le gros tuyau noir que vous voyez ici, c'est le tuyau donc, qui sert à l'aspiration, donc qui lui va retourner vers la cuve pour ramener l'abrasif quand il sera aspiré euh, sur euh, la brosse. Le tuyau marron que vous voyez là, c'est le tuyau qui vient de la poignée, qui sert de commande pneumatique pour ouvrir et fermer l'arrivée d'abrasif. En dessous, on a ce tuyau annelé, le tuyau gris, enfin transparent qui est ici, qui lui est le tuyau qui va véhiculer l'abrasif. Quand on vous dire que c'est un tuyau tout à fait basique, même s'il est armé, euh, c'est quelque chose qu'il faudra forcément remplacer rapidement parce que... Euh, il va prendre cher et euh, il va prendre de, de, beaucoup d'usure en véhiculant l'abrasif quand on va se servir de la machine. Alors, je continue maintenant sur le faisceau. Donc, le faisceau fait environ, euh, environ 2,50 mètres. Il n'y a rien de trop, hein. 2,50 mètres, ce c'est pas non plus immense, mais bon, c'est vendu comme ça. Alors, ici, on arrive sur la partie poignée. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce tuyau marron qui vient de la poignée de commande. C'est lui qui va envoyer euh, la commande d'air vers la vanne euh, tout ou rien, hein, parce que c'est une vanne tout ou rien là-dessus. C'est la vanne qui va envoyer l'abrasif et qui va faire remonter l'abrasif dans ce tuyau. Et ici, on retrouve la partie aspiration qui va permettre de collecter de nouveau euh, l'abrasif une fois qu'il sera sorti. Donc la poignée de commande, c'est une poignée, alors je vais essayer de vous la montrer comme ça. Voilà, c'est une poignée à gâchette. Bon, c'est tout simple, hein. ça s'apparente un peu à une soufflette. Alors c'est en métal. Euh, bon, c'est pas de grosses factures non plus. C'est pas quelque chose de très abouti. Hein. Franchement, bon, c'est ça fait son job, mais je sais... Moi ouais, elle s'est coincée déjà plusieurs fois, je ne sais pas combien de temps elle fonctionnera. Et ici, donc on va trouver, excusez-moi j'ai bougé un peu, on va trouver la partie donc collecteur de l'abrasif une fois qu'on a sablé. Donc c'est ici on a une brosse hein, qui, est... qui est montée avec un collier CR flex. Donc euh, autant dire aussi que ça c'est une pièce qui va s'user assez rapidement. Et si je regarde à l'intérieur, ici on va voir la buse. Je vais vous la montrer un peu la buse, hein. c'est une buse en céramique, je vais vous la montrer parce qu'il y a une buse de rechange avec. Donc euh, voilà, après la, la poignée c'est tout simple hein, et le geste de sablage, je vais vous montrer quelques extraits vidéo. Le geste de sablage il est comme ça on déclenche avec la poignée et on fait euh, les mouvements sur la partie à décaper. Alors, faut savoir quand même que euh, ce faisceau, de par le gros flexible d'aspiration, reste très rigide et euh, assez, euh, assez difficile à manier pour moi parce que. Euh, ça suit pas toujours les raccords ici ce sont juste des raccords en ce c'est pas vissé donc il faut faire attention à ce que ça ne se, se déboîte pas et euh, le tuyau d'aspiration est quand même euh, assez rigide même si c'est un tuyau annelé. il a quand même un diamètre conséquent et il n'est pas très très souple donc euh, ça donne de la contrainte dans les mouvements euh, je vous montre vite fait la notice alors n'espérez pas avoir grand chose déjà c'est une notice en anglais vous avez quelques pages euh, d'explication, il n'y a pas grand chose. Vous avez quelques... Ici on a quelques symptômes de panne avec les, les causes probables. Bon déjà tout est en anglais. De hein, toute façon, je cherchais pas du français, il n'y en a pas. Et ici on a euh, le petit guide, euh, genre nomenclature en dessous avec toutes les pièces. Bon, là c'est tout en anglais. Donc voilà, et ça c'est la buse de rechange. Alors, c'est une buse euh, qui est en céramique. Alors attention, vous voyez le diamètre. Hein, euh, alors déjà, le diamètre d'un côté il fait 6 et le côté il fait presque 8. Donc autant vous dire qu'avec une buse de ce diamètre là, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur l'aérogommage, vous allez comprendre qu'il va vous falloir beaucoup de débit d'air. Et ça, ça va être quelque chose que je vais revenir euh, ensuite parce que c'est important aussi de le savoir avant. Voilà un petit peu pour euh, extérieurement euh, le détail de cette sableuse. Alors on va pas dire que c'est mal fait, je ne vais pas dire, euh, je vais rien à dire, hein, franchement, bon, c'est de la tôle, c'est euh, bien fini. Il hein, n'y a rien à dire, franchement. Seule chose que j'ai trouvé, moi, premier point négatif, c'est qu'on a des raccords euh, qui sont euh, soi-disant des raccords rapides. Donc c'est du raccord un quart. Quand on met un flexible avec un raccord femelle, un quart dessus. Eh ben, il tient pas du tout euh, donc euh, bah, il faut penser à, il faudra penser à la remplacer vous voyez ce que je vous disais aussi voilà, donc ça bah, le tuyau hein, il a tendance à se barrer tout seul parce que euh, il est trop rigide et euh, le faisceau quand on le bouge et eh ben ça a tendance à dé décrocher le tuyau et le tuyau d'abrasif j'ai essayé de vous le montrer donc voilà ici hop, pardon mon doigt ici vous avez la sortie sous la cuve qui vient euh, collecter l'abrasif qui est euh, stocké dans la cuve donc, on va remonter un petit peu, je vais vous montrer la partie haute. Alors, on revient ici sur la partie haute. Donc, ici, on a le câble d'alimentation. Rien de particulier. Ici, on a la euh, grenouillère pour pousser, tu sais, fermer le couvercle qui contient l'aspirateur. Donc, on va ouvrir. C'est assez lourd. C'est le moteur de l'aspirateur. Voilà. Alors, l'aspirateur qui est ici, on voit ici la turbine. Euh, 1200 watts alors quand on calcule les pertes de charge par rapport à la taille de la cuve par rapport à la longueur du tuyau euh, 1200 watts et rien de trop donc euh, comme je vous disais au départ n'espérez pas collecter 100% de l'abrasif euh, vous n'y arriverez pas c'est pas possible donc ça je vais y revenir dans euh, le débriefing de la vidéo je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail mais euh, c'est pas du 100% c'est pas vrai alors Ensuite ici, je vais peut-être y est-ce que je vais y arriver à une main Donc on a cette partie-là ici, hein, qui vient fermer la partie haute, donc l'aspirateur vient ici, on voit la trace, donc mettre la cuve en dépression, et donc de ce fait, collecter l'abrasif euh, qui revient du tuyau. Donc je vais enlever ça, je vais, Alors, je vais prendre par ici, parce que d'une main, c'est pas facile en filmant, donc ça c'est, hop, voilà, J'essaie de ne pas faire trop de poussière, voilà. ici on accède au filtre, donc, lui, forcément, puisque c'est comme un aspirateur standard, hein, l'air est aspiré par le haut ici et vient collecter vient l'abrasif collecter, euh, en mettant la cuve en dépression. Mais pour que ça ne n'aille pas dans le moteur, on passe par ce filtre qui est ici. Alors, c'est un filtre euh, qui est grillagé et à l'intérieur, je dirais que c'est du carton. Euh, je pense qu'il faut le nettoyer souvent si on ne veut pas se retrouver avec une machine complètement colmatée. Alors attendez, je vais le mettre sur le côté. Je vais le poser ici, vous voyez, il est déjà... Euh, il laisse déjà passer pas mal d'abrasif, donc il est déjà un petit peu colmaté, il est bon à nettoyer. Voilà. Et ici on accède à l'intérieur de la cuve. Alors, l'intérieur de la cuve, vous voyez ici, euh, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais euh, j'ai mon abrasif qui est dans le fond. Et ici j'ai donc euh, cette crépine en grillage hein, qui provient euh, qui provient de l'arrivée de l'aspirateur qui va renvoyer euh, l'abrasif dans la cuve euh, par ce phénomène de dépression. Donc on voit bien que la cuve elle est, euh, voilà, si je fais ça, hein, elle est tapissée sur les côtés. Alors ce n'est pas de l'abrasif, c'est de la poussière de ce que vous avez décapé. Parce qu'il faut quand même savoir que... Quand vous, euh, quand, vous décapez, quand, vous as... quand vous décapez, quand vous sablez, vous allez aspirer non seulement votre abrasif, mais vous allez également aspirer toute la poussière que vous allez générer avec euh, le vernis, la peinture, enfin tout ce que vous avez décollé en sablant, ça va partir également dedans. Hein. Ici, euh, si je regarde ici, vous voyez, hein, est... ici, il y en a partout. Hein. Et ça, ce n'est pas de l'abrasif, hein, c'est que de la poussière. Hein. Donc, il faut quand même savoir que cet abrasif-là, euh, il ne va pas être euh, utilisable. Pendant des temps et des temps, parce qu'on voit déjà dessus. Je vais essayer de m'approcher sans faire tomber mon téléphone dedans. Mais si on regarde déjà, vous voyez des petites taches. Je ne sais pas si on va voir, mais bon. Euh, ouais, peut-être comme ça. On voit des petites taches à l'intérieur. Bah C'est de la poussière. C'est des morceaux de vernis qui ont été décollés pendant le sablage. Donc, ça, l'abrasif, il va falloir le remplacer régulièrement. Et. Pour remplacer cet abrasif dans cette sableuse, on n'a pas d'autre solution que de venir l'aspirer avec un autre aspirateur, parce qu'on n'a pas de solution de vidange. Donc soit on va la cabaner et puis on va essayer de la vider, mais ça je vous le déconseille, parce que la charnière qui est ici, eh ben, elle va prendre cher et puis euh, elle ne va pas tenir longtemps. Donc la meilleure solution, c'est de prendre un autre aspirateur pour venir vidanger l'abrasif qui est à l'intérieur avant de le remplacer. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faudra faire régulièrement parce qu'à un moment il va se charger en poussière et il n'aura plus aucune efficacité. Vous allez projeter pendant votre action de sablage autant de poussière que d'abrasif sur votre surface à décaper. Donc, je vous montre un petit peu euh, ce que j'ai fait sur cette porte hein, pour voir un peu. C'était un de mes premiers essais pour voir un peu ce que ça donnait. Alors, on ne va pas dire le contraire, ça a décapé, ça a retiré le vernis. Ça... On voit ici hein, la différence quand même avec la partie vernie et la partie qui a été décapée. Je vous mets quelques extraits de vidéos sur des essais que j'ai fait sur d'autres parties de meubles, sur un miroir, des choses comme ça. Vous voyez un peu donc l'action de décapage, l'action de sablage. Il faut être très vigilant sur la position de la brosse, que la brosse soit toujours en contact avec la surface, sinon l'abrasif, vous n'allez rien collecter et vous allez vraiment en mettre partout. Je vais revenir un peu sur la plaque signalétique de la machine. Alors, donc ça c'est la marque. Hein, euh, et un point important, regardez le débit d'air qui est conseillé avec cette machine. Dans la capacité, je vous ai dit à peu près 100 litres. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Donc c'est 105 litres. Et la consommation euh, d'herbe nécessaire à cette machine, ça va être 400 à 700 litres par minute. Et une pression de travail de 8 bar. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est quelque chose de conséquent. Donc ne pensez pas que vous allez pouvoir utiliser cette machine avec un compresseur de petite dimension. Parce que... Euh, bah, et d'une, vous n'allez pas avoir un résultat satisfaisant. Et de deux, vous allez avoir un compresseur qui va tourner tout le temps et qui va euh, bah, chauffer, s'user. Et puis bah, vous allez euh, lui faire rendre l'âme assez rapidement. Donc, euh, il faut quand même avoir à l'esprit qu'en utilisant ce type de machine, il va falloir un compresseur dimensionné euh, pour avoir des, des débits restitués euh, au moins de 400 litres par minute et euh, jusqu'à 700 litres. Alors, ouais il serait conseillé d'avoir au moins un 500-600 litres. Alors vous avez vu un petit peu le descriptif de la machine. Euh, bon, c'est pas un sorcier, hein une cuve, une, une aspiration et, et euh, un système de faisceau de diffusion et une poignée de sablage. Qu'est-ce que je vais euh, dire sur cet ensemble C'est que euh, contrairement à ce que j'obtiens comme résultat avec mon aérogommeuse, ici vous n'avez aucun réglage. C'est-à-dire que le seul réglage que vous allez pouvoir donner au niveau de la pression va être donné par le compresseur. Donc, euh, sur une aérogommeuse, on a un manou détendeur qui va nous permettre de régler la pression en fonction du support que l'on a à décaper. Sur cette sableuse, c'est pas possible. Également sur une aérogommeuse, on va avoir la possibilité de plus ou moins écarter la buse de la surface à décaper. Avec cette machine-là, et eh bien la surface de la buse avec la surface à décaper, elle est gérée par la position de la brosse, puisque le but du jeu, c'est de collecter les abrasifs avec l'aspirateur. Pourquoi moi j'ai acheté cette machine Parce que vous savez que j'ai une aérogommeuse, que c'est parfois compliqué de faire de l'aérogommage, parce que je fais ça souvent dehors, et que la météo ne le permet pas toujours. Donc je voulais avoir une solution de repli pour pouvoir faire certaines actions sur différents meubles et finir des choses ou faire des meubles même quand je ne pouvais pas le faire dehors je vais pas faire beaucoup de meubles avec cette machine là c'est pas forcément euh, ce que moi je j'affectionne le plus euh, je voulais faire ça en intérieur parce que je pensais qu'on allait collecter euh, bah, tout l'abrasif c'est pas vrai du tout je l'ai fait une fois dans mon garage, je peux vous dire que j'en avais partout. Dès que la brosse n'est plus en application à 100% par rapport à la surface, vous avez des passages de l'abrasif qui se diffusent un peu partout autour de la zone de travail. Ça en met beaucoup moins bien évidemment qu'une aérogommeuse qui va pulvériser à jet libre dans la pièce, mais il euh, ne faut pas considérer que vous allez faire ça dans votre salle à manger, dans votre garage, sans en mettre partout. Il faudra protéger, il faudra légèrement faire un sas éventuellement, enfin protéger la zone, vous mettre dans une zone facilement nettoyable parce que vous allez en retrouver partout. Deuxième point que sur lequel je vais revenir un petit peu, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la difficulté due à la rigidité du tuyau d'aspiration. Le faisceau, il est quand même assez rigide, et c'est parfois... Euh, euh, pas toujours simple de le maintenir à l'horizontale, d'aller dans toutes les zones que l'on veut, si, euh, voilà, typiquement si ma brosse, vous euh, voyez ici, elle a un petit bout qui est pas du tout en contact avec le bord, si je fais ça, par exemple, si je veux aller décaper cet angle-là ou cette surface-là, et eh bien tout ce qui est en dehors de la brosse, ça va pulvériser, ça va aller partout, et euh, ben, on va en mettre tout autour de la zone de travail, ça c'est imparable. La poignée, euh, bon, euh, ça serait perfectible, hein. c'est pas forcément une poignée euh, très très solide. Moi, elle est restée coincée déjà une ou deux fois, à ben, part arrêter la machine, enfin arrêter le compresseur, on n'a pas d'autre solution puisque ça continue à diffuser et on en colle partout. Le fait d'avoir cette buse en céramique euh, qui fait euh, en gros 6-7 mm, parce qu'elle n'est même pas, euh, elle est pas tout à fait cylindrique. Euh, ça réclame un débit d'air vraiment important. Donc, on parle vraiment de sableuse. Hein. Alors, on va pouvoir, j'ai vu, a, vous avez vu sûrement moi, comme moi beaucoup de gens, enfin, certains, certaines personnes qui font de l'aérogommage avec ça. Euh, il faut bien trouver son abrasif. Pour moi, il faut mettre de la granulométrie quand même assez faible parce que la pression nécessaire pour faire fonctionner la machine va faire que si vous mettez de l'abrasif euh, trop gros en grain vous allez abîmer votre support euh, directement donc je pense qu'il faut moi je l'ai commencé avec du euh, ce que je dirais du 120 hein, ce que j'utilise le l'olivine euh, je pense que euh, il faut du fin il faut euh, quelque chose euh, vraiment type 200 mèches hein, par exemple si je parle en garnette et euh, ça sera suffisant pour cette machine-là parce que la pression euh, va faire que euh, vous allez mettre peut-être un petit peu plus de temps, mais vous n'allez pas risquer d'abîmer votre support. Donc il euh, faut faire attention, il faut faire des essais. Et euh, c'est une machine à prendre en main, c'est une machine euh, qui peut rendre des services, mais il faut faire attention de la façon dont on l'utilise. Avant de conclure cette vidéo, dernier point sur lequel je vais insister, si vous faites des recherches sur Internet pour trouver... Une sableuse aspirante, parce que c'est plutôt comme ça qu'on doit faire ses recherches quand on va sur les moteurs de recherche. Attention, vous allez trouver euh, plein de machines de toutes les couleurs, des bleus, des noirs, des rouges comme celle-ci. Mais regardez les caractéristiques et regardez en détail la machine. Vous allez voir que c'est quasiment... Toujours les mêmes. Si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de me demander, vous me demandez, je vous dirai dans quel, sur quel site je l'ai acheté. Et euh, c'est là où je l'ai trouvé le moins cher, puisque elle était euh, à 450 euros environ de mémoire il y a quelques mois. Donc faites attention si vous souhaitez vous en acheter une parce que vous avez de tout et de rien et le prix varie du simple au double, même plus des fois, et pour la même machine donc c'est quand même dommage d'aller payer trois fois enfin deux fois ou trois fois plus cher pour avoir les mêmes caractéristiques. Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo. Alors c'est pas une vidéo que j'ai fait pour dénigrer cette machine parce que franchement euh, je connais d'autres personnes qui l'ont acheté et qui s'en servent très bien. Moi je voulais donner mon avis dessus parce que aussi j'ai une aérogommeuse et c'est pas du tout la même chose et comme j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur l'aérogommage et je les comprends parce que c'est un procédé qui est vraiment très très intéressant ça n'a rien à voir avec de l'aérogommage mais éventuellement euh, si on veut euh, pour un petit budget faire quelques petites bricoles avec ça pourra faire le job mais attention il y a des précautions à prendre bon vous voyez ici ça l'a fait mais moi je le vois de près et je peux comparer par rapport à ce que je fais avec mon aérogommeuse ce n'est pas du tout le même résultat même si ça paraît satisfaisant euh, au regard comme ça c'est pas qualitatif euh, comme je le souhaite moi euh, dans mes travaux donc voilà, si vous avez des questions sur cette machine, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire parce que j'ai peut-être oublié des choses, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue non plus. Si vous avez besoin d'autres informations, et eh bien vous me posez un petit, une petite question et je vous réponds bien évidemment comme à chaque fois. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien écoutez, faites-le moi savoir, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire si vous avez envie. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo dans l'atelier. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus